ça fait mal. Franchement, ça fait mal de perdre d'un point face à l'Afrique du Sud, mais qui combat quelques mois en avance. Ça fait mal. Franchement, ça fait vraiment super mal. On a quand même un peu... D'un point, c'est dur quand même. Dégoûté. Dégoûté. Ça va être serré. Ça va être serré, c'est les champions du monde en titre. Donc ça va être un gros combat avec eux. Je pense qu'on va les battre. Hein. Ils vont nous mettre du défi physique, mais on est prêts pour ça. J'espère que les Bleus vont gagner. Voilà, et grâce au retour d'Antoine Dupont, de Damien Penaud, c'est sûr, on va gagner. Je pense qu'on gagne de peu, mais très peu. Mais on gagne sûr. Très bien, tout le monde est content. Yes, yes, yes. On s'élève tout le temps. Voilà, et on espère qu'on gagne. Pour l'instant, on gagne. Forcément déçus, maintenant voilà, ils ont bien joué, ils ont profité des opportunités. Ils ont mieux joué même, j'ai. Finalement ils ont gagné. Faut être réaliste. Donc c'est frustrant, après voilà, c'est le sport. Bravo pour l'Afrique du Sud. Voilà. Après voilà, on va avoir une belle finale, c'est le rugby, c'est le sport avant tout. Bah ouais, mais sur la première partie, franchement on y a cru. Hein. Après c'est une très bonne équipe d'Afrique du Sud. Très bonne, très forte. Ils ont été en place. Maintenant c'était très très serré comme on l'a vu, donc on a perdu. On a bien seum quoi. Bien dégoûtant quoi. Franchement ça fait vraiment super mal. Chez nous en plus, au Stade de France, ça fait vraiment mal. Après c'était un beau match. Non mais ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal. Et deuxième mi-temps, bah on perd un point quoi, mais Triste. C'est dommage, mais malheureusement c'était un beau match. Donc même si à mon sens il y a eu des défauts d'arbitrage, ça reste quand même un beau match et on perd, mais la tête est haute.